Comme promis, les membres de l'UTG sont venus en nombre assister au congrès des élus. Le syndicat a appelé à une grève générale pour que les salariés puissent s'y rendre. Et le mot d'ordre de la centrale syndicale reste inchangé. Aujourd'hui, la mobilisation de l'UTG, c'est réellement ça l'objectif. C'est le respect des accords de Guyane et la consultation populaire afin d'effectuer une évolution statutaire. Dans l'ordre du jour du congrès, ça n'apparaît pas. Donc il y a deux solutions. Soit il y a un mouvement d'ensemble et nos élus sont unanimes et modifient immédiatement l'ordre du jour en disant qu'il faut mettre à l'ordre du jour le respect des accords de Guyane, soit ils seront obligés de revenir. Après les premières prises de parole, retransmises en direct autour de la CTG, la colère des syndicalistes s'exprime avec force pendant l'allocution de Rodolphe Alexandre. Il exagère, il nous fait un discours avec plein de mensonges et en fin de compte, il est responsable de la situation du pays. Il passe son temps à pleurnicher, à pleurer, il dirige une collectivité, ils n'ont aucune vision sur l'avenir. Le rapport du Front pour l'évolution statutaire de la Guyane est alors proposé pour être inscrit à l'ordre du jour, ce qui soulève de nombreuses questions d'organisation. Mais à la mi-journée, l'UTG observe toujours le déroulé du congrès sans bouger d'un pouce sur son mot d'ordre initial. Je ne peux pas préjuger de ce qui va se passer, parce que je ne sais pas les consignes qu'il a données à sa majorité. Ce que je sais, moi, c'est que moi, et manifestement les centaines de personnes qui sommes là, nous sommes pour l'évolution statutaire et la consultation populaire. Ce n'est qu'en fin de journée que les principaux élus du syndicat estiment qu'un pas important commence à être fait. On va vers quelque chose qui ressemblerait plus à ce que l'ensemble des Guyanais demandent, c'est-à-dire un travail en commun des politiques, des socioprofessionnels, des Guyanais tout simplement, pour produire un projet commun et aller vers une évolution statutaire. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, ajoutera Yannick Xavier, peu avant la réunion du bureau central de l'UTG, après l'adoption à l'unanimité d'une motion incluant la saisine du gouvernement sur la question statutaire. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.